سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله وعن عبد الله بن عامر بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف متفق عليه. L'homme qui a posé la question à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire Ayyul Islam khayr. Qu'a-t-il voulu dire par là? Quelles sont les actions dans l'islam qui rapportent le plus de récompenses? Nourrir une personne qui est dans le besoin est une action qui réunit les cœurs, augmente l'affection des uns envers les autres, et enfin guide et ou témoigne de la noblesse de l'individu. Donc nourrir une personne, c'est une action qui peut parfois être accompagnée de fierté ou de prétention. Et c'est pourquoi il est souhaitable de ne pas se limiter à nourrir seulement ses proches, sa famille, ce qui est déjà une obligation en soi. Nourrir celui qui est éloigné de nous rentre dans le fait de nourrir les gens. Et l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, rajoute que celui ou celle qui passe le salam à la personne qu'il connaît et à la personne qu'il ne connaît pas sera préservé de cette fierté qu'il pourrait développer en nourrissant quelqu'un. À la lumière d'autres traditions prophétiques, on va s'apercevoir de l'importance de ces actions et de la grandeur de la récompense. Propagez le salam. Propagez le salam entre vous. Vous allez vous aimer et cet amour va augmenter votre union, va améliorer vos rapports et enlever toute animosité, toute haine qui pourrait y avoir dans vos cœurs. À travers cela, on voit qu'il y a une possibilité évidente de perfectionner sa foi. Dans un autre hadith rapporté par Abu Yusuf, Abdullah ibn Salam, radiallahu anhu, qala samirtu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul ya ayyuhan nas afshu salam wa at'imu ta'am wasilu al-arham wa sallu wa nasu niyam tadkhulu al-jannata bi salam rawahu at-Tirmidhi. Le caractère social et humain de l'islam transpire de ces traditions prophétiques. Tu ne peux pas rester dans ton coin à adorer Allah. C'est une première étape, il faut le faire. Mais tu ne peux pas le faire sans prendre en compte ton entourage, tes proches, ceux que tu aimes, la société dans laquelle tu vis, et ceux que tu connais, ainsi que ceux que tu ne connais pas. Et la récompense est vraiment immense. Incalculable, ce salam que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous encourage à faire n'est pas seulement une salutation, un bonjour, un sabahul khayr. Non, c'est beaucoup plus que cela. Parce que la récompense de cette propagation du salam et de cette obtention de l'amour et de cette perfection de la foi n'est autre que le paradis. Subhanallah, subhanallah, subhanallah.